inscrits par les deux sols. Des jambes solides. Inspirez. Levez. Baissez les épaules. Et vers l'avant. Guerrière d'extension. Allongez le bras sur la tête. Vers l'arrière. Les jambes ne bougent pas. Que le bras du corps. Très bien. Vos hanches aux épaules face à nous. Serrez les mains. Baissez les épaules. Un peu plus d'étirement dans les hanches. Levez. Puis inclinez. Fort dans les jambes. Étirez dans le haut du corps. Solent. Main sur la cuisse, revenez. Éloignez le pied, droit loin derrière. Inspirez, faites sortir l'énergie qui est en vous aujourd'hui. Descendez. Genou avant, au-dessus du talon. Inclinez. Plus bas. Et plus haut dans le haut du corps. Vos jambes ancrées dans le sol. Baissez les bras, inclinez, baissez les côtes, sentez les tirements à la douceur, la jambe gauche, puissance du poids du corps, main sur les cuisses, regard au sol, levez la jambe, droite, cherchez à vous grandir au maximum, vos mains jointes, le tronc stable. Grandir votre arme, mettez vos mains vers le ciel. C'est la respiration parfaite et ouverte. Laissez l'énergie circuler. Mettez votre arme, mettez à nouveau la fleur. Frappez le pied. Serrez vos genoux. Mettez la main. Ouvrez la hanche et le genou vers l'extérieur. Ouvrez-vous complètement le bras vers l'extérieur. On va reprendre en première pause. Cette fois, on va aller un peu plus loin. Donc, juste la jambe droite. Croisez-la, un champ de pied. Maintenant, prenez l'appui sur la fesse gauche et rapprochez le talon. Asseyez-vous au centre. Si vous n'êtes pas à l'aise, tendez la jambe, s'il vous plaît. Croisez les mains. Possible. Abaguette. Une fois encore, chaque jambe. Inspirez, expirez. À gauche, dernier. Et à tout le monde, tendez la jambe gauche vers l'arrière et croisez. Dedans et dehors. Maintenant, le bras droit. 45 levés. Moins vous allez avoir l'appui au sol, plus vos abdos vont devoir bosser pour vous stabiliser. Fixez vos épaules, serrez votre ventre et préparez-vous. Une dernière fois, on change de bras, on change de jambe. Rapidement, croisez, dedans et dehors. L'idée pour la stabilité, c'est qu'on pousse dans la seule main qui nous reste au sol. Et on écrase également le genou. Ainsi les hanches et les épaules ne bougent plus. Ainsi la chaîne croisée devient plus fort. 4. Une de plus. Intérieur, extérieur. Ok, stop. Allongez-vous sur le ventre. Pose de l'arc. Vous avez deux options.